Bref, nous sommes repartis. Les phoques, on les laisse tranquilles. Allez. J'entends un bébé. Oh non, ah! Mon Dieu! On m'avait dit que... Mais non! Je les reconnais, les ombres. Mais ouais, mais elles sont deux, elles sont pas par une, hein, donc elles vont être reloues encore. Ou elles s'en sortent pas en serpent, peut-être. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont vulnérables au poison, normalement. Parce que quand ils étaient en forme de boss, j'avais réussi à les empoisonner. Mais je les avais pas reconnus d'aussi loin, là. Ouais, mais celui d'en haut, là. Eh putain. Bâtard. Putain. Et c'est qui les bébés qui pleurent, là? J'ai bien entendu un bébé. Bon, on descend, là, Trouduc. Sinon, je te balance un petit Sonitrius. Ça va te calmer, mon gars. Oh putain. Mais ils sont partis où les deux autres là? Parce que s'ils ont autant de PV que les boss. Oh putain. Ah putain! Salut! Ah il est tombé, il est tombé! Venez pas à 3, mais non! Ah oh, ça va être nimp. Putain! Je crois que c'était vraiment un par un qu'on allait les trouver, mais non, on les retrouve par 3 quoi. Saloperie là. Bon, ils ont l'air moins costauds. J'ai envie de leur balancer un petit Tonitrius, histoire de les calmer sévère. Mais vas-y, ignore mes attaques. Voilà, un de moins, un de moins. Bon, ça va, ils sont moins costauds que les boss quand même. Ou alors ils ont le même niveau, mais du coup, vu que nous on a bien progressé, on les défonce complètement. Par contre, j'ai plus d'endurance. Je vais prendre à viser, mon gars. Allez, prends le poison, non? Allez, on n'a pas subi trop de dégâts, c'est bien. Par contre, il est parti où le troisième, là, je le vois plus. What? Il est remonté? Que? J'en ai pas tué trois, là. Ah, il est remonté. T'es sérieux? Je vais me faire défoncer par le mage? Putain, c'est pas vrai, ça. Oh, ils sont faibles, oui, j'ai remarqué. Bon, même si j'ai pris un peu cher sur le dernier. Bah, vu que c'est des boss plutôt dans le jeu, c'est psychologiquement, tu te sens mal, mais en fait, ça va. L'objet attend. J'espère que c'est pas une connerie, je mets un pouce bleu, mais... Sans vérifier. L'objet attend, mon cul, ouais. Y'a rien, là. Alors, faut faire tomber un truc. J'ai l'impression qu'il y avait un rebord avec un... Attendez. Alors c'est là. Ah. Ah du coup j'avais de quoi booster le... Ah. Mon arme actuelle. C'est là-bas, il y a un truc en face. On n'y a pas accès là. Non, bon, allez, hop. Du coup, ben on monte. Hein. J'entends encore le bébé. Cochon! Est-ce qu'on peut lui mettre... J'entends aussi un bruit gluant. Qu'est-ce que c'est? Bon, le cochon, je vais lui mettre une main où je pense. C'est quoi ce bruit dégueu? Ça le tue même pas, quoi. Ils ont pas abusé sur les PV, tu sais. Ah, mais il a une tête dégueulasse, non? Il a 40... Enfin, je sais pas combien de dieux. C'est ignoble. Et elle est où cette foutue sonneuse de cloche? Elle va me faire avoir des ennuis. Hein. Voilà, y a rien, d'accord. J'entends la cloche résonner. T'es où, vilaine? Elle est pas loin. Elle doit être sur une corniche ou je sais pas quoi. Ça là, c'est bien une résonance de cloche. J'en sais rien. Bon allez, on avance. Il y a des taches de sang partout, c'est génial. Alors il se bat contre le cochon, mais ouais. Il a dû se vautrer. Ah, il y en a un autre. Ah, lui, il nous a vu par contre, je crois.
Et c'est ça, il a une tête dégueulasse. Et ils sont deux. Oh non. Mais pas à deux, les gars. Et ils ont l'air beaucoup plus rapides. Et plus dégueux, surtout. Regardez-moi leur tête. C'est n'importe quoi. On va essayer de l'empoisonner, peut-être. Ça a pris ou pas? Non, ça a pas pris. Bon, il craint peut-être pas le poison. Mais les cochons de base, ils sont beaucoup plus lents, normalement. Ah, il fait l'attaque où il nous écrase. Quoique, non, peut-être pas plus lent, en fait. Il fait les mêmes attaques de crotte qui servent à rien. Bon, en 1 contre 1, normalement, ça va, hein, si je me foire pas. Il est parti, l'autre, ok. On me demande si je connais un joueur en ligne. Non, le pseudo ne me dit rien. Puis après, je reçois tellement de demandes que je peux pas me rappeler de tout le monde. Là, je me concentre sur le jeu. Elle est là, la sonneuse. Non, 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 recule. Non, c'est bon. Oh non, deux cloches sudistes, mon cul, ouais. Saloperie. Et il me rend fou, lui. Voilà, je suis complètement perturbé, je fais de la merde. Oh non, l'adversaire est là. Fuck you, hein. En plus, je viens de prendre l'effet folie. Putain de bâtard. Je vais t'empoisonner, mon gars. Saloperie, va. Mais j'ai le cochon, ça suffit pas, le cochon? Trop du cul, va. La caméra suit plus, c'est génial. Saloperie, va. Ah, le cochon, il n'y en a plus. Arrête de faire des coups d'estoc, tu m'auras pas. Non, non, je sais pas ce qu'il fait. Il est bugué ou quoi? Il lag? Mais, j'arrive pas à contrer. Tu me saoules, mon gars. Ah oh, putain, mais enfin, je vais pas jouer à ça 15 ans. Allez, viens, mon gars. Il est bizarre, il croit que je suis un adversaire de base ou quoi? Je suis un joueur, mon gars. Allez. Si je pouvais l'empoisonner, ce serait nickel. Tu résistes au poison ou quoi? Ouais, il lag, hein. Il y a des trucs chelous là qui se passent. Quoi? C'était quoi ça? Je l'ai touché. Oh, oh. C'est n'importe quoi. Putain, non, mais te soigne pas, s'il te plaît, dégage. Juste, dégage. Putain, il prend pas le poison. C'est quoi comme résistance qu'il a, là? Putain. Puis il me fait plus mal. Fait chier. Il doit être... Non, mais il a la même robe que moi. On doit avoir des niveaux similaires, en fait. Juste, tu me fais chier, Trouduc. Putain. Quoi? Mais d'où il me touche? Il me touche même pas physiquement, là. Mais je suis pas là, mon gars. Je suis à 20 mètres de lui, il me touche. Non, 20 mètres, j'exagère, mais... Puis il prend pas le poison, quoi. Là, je l'ai touché deux fois, il a pris qu'une fois 79. C'est nimp, hein. Oh, putain. Il enchante son épée. Bon, je vais te balancer autre chose, tu vas voir, mon gars. Tu vas le sentir passer. Ah, mais d'où il me touche? Il me touche pas physiquement, hein, les gens, on est d'accord. Ah, ça lui fait pas assez mal. Voilà, il m'a eu, allez, fais chier. J'avais pas envie de cramer tous mes soins de toute façon. Saloperie, va. Comme si on avait besoin de ça, quoi. Et les gens, ça les amuse de prendre des trucs pour envahir les gens, là? Putain. Ils savent qu'on est en galère, là, à cet endroit. Saloperie. Ah, oh, merde. Oh, taisez-vous, corbeau, là. Je vous parle pas. Bon, c'est pas très très loin, mais bon, il y a 6 ennemis de crotte à retuer, quoi. Et j'entends encore le bébé. Oh non, mais tais-toi, la sonneuse de cloche, hein. Tu m'as déjà fait chier une fois, c'est bon, hein. À un moment, faut s'arrêter, hein. De toute façon, normalement, les points, je peux les récupérer.
Parce que j'avais quand même l'équivalent d'un niveau, hein, quasiment. Hein. Oula. Oula, monsieur, on se calme. Sinon, c'est moi qui te calme. Putain, il donne que 2000, mais n'importe quoi. Oh, putain. J'aurais dû revenir en arrière pour récupérer mes tâches rapidement. Ah, c'est le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Il y a encore le bruit gulluant, tout va bien. Mais s'il vous plaît, les joueurs, fuck off. Hein. Sinon, je requitte le jeu, je remets en mode hors ligne. Tu fais ça. Tiens, il m'a dans le cul. Et crève rapidement, s'il te plaît. Merci. Ah oui, j'ai de quoi gagner un niveau. Hein. Du soin, oui. Le plein de soins. Et voilà, faut se retaper les deux cochons. Et merde. Allez. Maniez-vous, là. J'avoue que c'est vraiment relou. Bah ouais, bah oh là là, d'accord. Bon, on va arrêter de lire le chat en plein combat. Mon dieu. En plus, j'aurais pu le frapper, là, pour récupérer. Putain, mais... D'accord. Ah, je suis pas mort. Si. Ouh, punaise, on a rien vu. D'accord, donc leur charge, faut pas esquiver en arrière, ça sert à rien. J'étais bien parti, hein, il a fallu que l'autre vienne tout casser. Hein. Allez. Non ! Mais c'est pas vrai ! Bon bah on trace, ça me saoule. Putain ! Parce qu'ils font une charge, mais ils te suivent quand même. Hein. Il a pas foncé tout droit. Oh putain. 100 000 points, ça fait un niveau et demi quoi. Ah, oh, ça me saoule. J'aurais dû tracer, j'aurais dû t'écouter. J'étais persuadé que ça allait passer là. Vous me saoulez à repopper sans arrêt. Je voulais pas crever un coup. Voilà, j'ai récupéré ma vie. La sonneuse de cloche qui me fait bien chier. Pardonne-moi ma vie. Ma vie! Ma vie, mon gars, ma vie! J'ai perdu un petit peu, c'est pas grave. Pas de loot, bah oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert de me donner des soins? Des balles? Toi, je peux te tuer 3 coups d'un filet, s'il te plaît? Merci. Je veux mes échos de sang et je me barre. Ou alors je vais les dépenser. Putain. Où ils sont? C'est l'un des cochons qui les a. Fais chier, c'est... Ah non, ils sont au milieu, ils sont au milieu. Donc je me fais le premier, je les récupère et je trace. Punaise. Tiens, saloperie. Bon, j'avance un peu parce que je sais pas pourquoi le premier coup il passe dans le vent. Alors qu'on est pile poil devant lui. Au moins on récupère des soins. Hein. Allez. Ouais, mais je vais me faire défoncer là. Toro, Toro. Toro, je vois qu'il y a un nouvel abonné sur le live. Ok, merci. Oh putain. L'esquive de merde. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Pardon. Pardon, pardon. Qu'est-ce que ça devant? Encore les mêmes mecs. Ils me suivent pas trop, ouais, vachement, ouais. Je me casse, je sais pas où je vais, on y va. Non, mais ils me suivent complètement, oui. Putain. Je suis où, là? Sonneuse de cloche. Poufias. Je vais lui régler son compte à elle. Toi d'abord. Ah, par contre, faut faire gaffe, elles peuvent te faire très très mal quand même. Elle est où, la sonneuse de cloche? Elle est là. Oh, putain! Fais chier. C'est elle qui les invoque? Non, mais gars, t'arrêtes un peu, là. Je suis pas une saucisse, là. Putain de poufias. Tiens! J'espère que c'était bien elle qui faisait les... Oui, c'est ça. Mon dieu, plus d'invasion de joueurs. Oh là là. Le jeu parle de quoi? Et bah, y a pas trop de scénario, c'est une histoire de rêve un peu chelou. On sait pas trop ce qu'on fait là, et puis bah, on avance en tuant des monstres. C'est tout, en gros. Après, y a une histoire avec la lune aussi qui change régulièrement. Mais y a
Rien. C'est particulier. Alors, je sais pas de quel côté je dois aller. On va regarder un peu de ce côté. On va vers la lune, donc en théorie. Je sais pas. De l'autre côté, ça pue le caca quand même, avec tout ce que j'ai vu entre les cochons et 4 mecs ombre de Yarman. Ils sont où les cochons? Où sont les cochons? Je crois que je vais faire demi. Non, 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 putain. Ouh, il y a du sang. Non, non, non. Vous me saoulez. Allez, je sais pas où faut aller, mais on descend. Ils me suivent? Bon, je sais pas où faut aller, on va aller de ce côté. Ah, 140 000 points. Ouh, faut que je rentre. Une torche, s'il vous plaît. Une petite torche. J'entends un truc. Une autruche. Qu'est-ce que c'est? Putain, elle est bleue carrément la lune. Hein. Oulala, on n'a jamais vu ça. Y'a pas de piège. Si je perds mes 140 000 points, je déprime. Qu'est-ce qu'il a fait lui pour mourir? D'accord, on sait pas. Attaque viscérale, il a subi? What? C'est peut-être un joueur qui l'a tué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un trouillard. J'espère qu'il n'y a pas un piège juste à côté qui va me buter. Non, reste là mon gars. Mais tape pas dessus, pas à côté. Ah bah, j'ai cramé toute mon endurance à taper à côté. Du coup, je peux pas l'enchaîner proprement. Pas où je vais les gens. Mais je reviens en arrière. Mais c'est quoi ce délire? Oh putain. Et puis si je vais gaspiller mes points, je suis obligé de me retaper tous les ennemis. Hein. Oh, c'est ignoble. Y'a pas un raccourci là? On peut pas faire tomber une échelle ou je sais pas quoi? Putain. Ils auraient pu prévoir, hein, sérieux. Gandalf pour le chapeau. Hey, hey. Ah, ce jeu est éprouvant, mon dieu, j'hésite vraiment à me rentrer, mais je suis obligé de tout me retaper, mais si je meurs, je perds mes 140 000. Oh, putain. C'est horrible, ce dilemme ultime. J'entends les cochons, ils doivent être juste au-dessus. Je crois que j'ai jamais fait de rentrer, mais bon, je vais pas refaire un aller-retour. Là, je prends trop de risques avec mes 140 000 points, ça fait quand même deux niveaux. Juste un, vas-y, viens. Viens mon gars, juste toi. Oh putain, mon cul, ouais, juste toi. Non mon gars. Putain, trop dur, redonne-moi ma vie. Merci beaucoup, le coup final était inutile. Ah d'accord, ils m'ont vu, ils me voient plus. D'accord, c'est génial. Hop. Il y a un raccourci, mais plus loin, ok. Le bug de l'infini? What? Un bug? Où c'est que t'as vu un bug? Ou alors moi-même j'ai bugué, je l'ai oublié instantanément. Attendez, ils étaient pas 4? D'accord. J'ai des hallucinations, j'en ai vu 4 mais apparemment ils sont 3. Et d'où il a autant de dégâts lui? Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est passé un truc là? Oula! Et les boules de feu? Elles vont pas loin tes boules de feu, t'as la rage hein? Bon allez. Oh putain. Nanananananana. Ferme ta bouche. Tape pas à côté, s'il te plaît. Merci. Alors Kingdom Hearts, c'est déjà fait. Hein. C'était à 18h. Qu'est-ce que c'est? C'est un ennemi? C'est un PNJ? C'est quoi? C'est la mariée. La mariée ensanglantée. Mon dieu. Pourquoi tu rigoles? C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Je te marche sur la robe. Qu'est-ce que vous avez, madame? À part un teint très blafard et du sang dans le bide. Rêve du chasseur, le bébé, une mariée ensanglantée qui semble avoir perdu un bébé. Alors attendez, je sais pas de quel côté je dois aller.
Sûrement là où elle regarde. Mais du coup, je vais aller voir ce qu'il y a ici. D'ailleurs. Hop. J'ai trop de lucidité. Mais je sais. Mais je sais pas comment les gaspiller. Y'a plus rien à acheter, à part des papiers de foudre ou je sais pas quoi. Attends, j'ai trop de fioles de sang. Ah non, fiole de sang de Yoselka. Mais j'en ai qu'un. Oul. D'accord. Ah, raccourci. Ah, mon dieu, on n'a plus besoin de passer par là. Oh, merci. Si je me trompe pas, on revient au niveau de la lampe, donc juste avant en fait. Oh, c'est génial. On se rentre, on se rentre, on se rentre, on va souffler 2 minutes. Non, elle est là. Pff. Oula. C'est ici qu'on va. Oh, mon dieu. C'est la reine de Yharnam. Ok. Bref, de retour au cauchemar de domaine 6. J'ai pris mes niveaux, j'ai changé les joyaux. Donc c'est reparti. Normalement, l'arme devrait faire bien mal, là. Je l'ai boosté. Attends, on entend encore le bébé qui pleure. Allez. Et apparemment, on m'a dit que j'étais vraiment très très proche de la fin. Bah, de toute façon, oui, si on la voit, elle... Putain. Ça empeste, Yharnam. Ok, Yharnam. Et si on essaie de la taper? Non, j'ai pas envie. Ah, mon dieu, serait-ce le dernier ascenseur? Rappelle l'embuscade que... Il y a une embuscade après? Soyez prudent avec la chute. Que... On y va. Mon dieu. Voilà, il y a encore les mecs chelous assis sur des chaises. Soyez soigneux avec le chemin caché. Il y a un chemin caché là? What? Oula. Donc merci du fond du cœur. Bon, je ne sais pas. Putain, je le sens mal. Parce qu'on arrive là, on voit la lune. Allez voir l'acolyte. Non, mon acolyte, moi c'est Poro, mais bon. Le feu est efficace. Il y a un truc qui rampe là, non? Ah non, c'est un joueur. Qu'est-ce que c'est encore un boss? Je marche en plein milieu, il se passe... Ah, je dirais qu'il se passe rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon dieu! La nourrice! C'est la nounou! La super nounou! Elle a l'air énervée, la nounou, hein? Oh putain, super nani! Dans la place. Je t'ai demandé de changer d'arme, pas de taper avec! Punaise! Enfin, de changer de forme. Tiens, madame. Putain, le bruit des pas sur les os, il est ignoble. C'est quoi cette musique, là? Non, non, d'accord. D'accord, d'accord, merci madame. Putain, comme elle fait mal. C'est nimp. Putain. Est-ce que je peux l'empoisonner? Je sais pas. On va essayer. Ah, on se calme. Et d'où elle a autant de bras là? C'est n'importe quoi. À combien de bras? 8 bras. Tiens. Salut, 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 salut. Putain. Oh putain. Bah, c'est n'importe quoi, regardez, elle marche tranquillement, elle taille dans tous les sens. C'est nappe.
C'est nimp. Putain, on va repasser avec la lame de Ludwig. Qu'est-ce que tu fais, madame? Je veux pas savoir ce que tu fais. Elle a fait un brouillard noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est du poison. Des ténèbres. On voit plus rien. C'est pour se planquer? C'est quoi ce délire? D'accord. Elle se donne des pouvoirs chelous. Attends, mais arrête de tourner, là. Viens là. Aïe, aïe, elle tape derrière, ok. Putain, mais c'est pas vrai. Attends, madame, mais non, te retourne pas. Elle tape derrière, hein. Je sais pas comment elle fait. Avec ses 15 000 bras, là. Oh putain. Mais allez, mais elle a une portée, c'est ridicule. Elle tape à 360 degrés, la fille, là. Putain, on va essayer de la bourriner. Mais tape pas avec ton arme! Je demande juste de changer de forme. Oh putain, je crois qu'elle allait invoquer le brouillard. Oh, fais chier. Qu'est-ce qu'elle fait? La toupie, allez. Peut-être que j'essaie de la taper un jour aussi. Merde. Vas-y, viens. Ah putain, non, c'est cure. Elle m'attire. C'est n'importe quoi. Je vais essayer le coup alternatif peut-être. J'y pensais plus. Putain. Picoter madame. Allez, on l'affaiblit. Pour l'instant j'ai l'avantage au niveau de la vie. Si elle me one-shot pas. One shot, pardon, j'articule un petit peu mal par moment. Avec la pression. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, elle me fait voler. Bah pourtant, elle m'a pas fait super mal. Non. Bon, là, ça y est. Elle s'énerve, j'arrive plus à la toucher. Oh putain, j'ai tapé à côté la première fois, malheureusement. Putain, mais elle est insupportable. Tiens, vilaine. T'invoques ton brouillard? Tiens. Plus, tiens. Non, d'accord, pas le deuxième coup, j'ai rien dit. Non. Oh, ça y est, elle commence à faire des dégâts. Putain. Nanana. Double. What? Non. Arrête de marceler, s'il te plaît. Ça va pas, là. Voilà, la dernière phase, toujours de la merde. Mais non, elles sont partout. Partout et nulle part à la fois, c'est nimp. Au secours, les gens. Elle est où? C'est laquelle, la vraie? Bordel de merde. Putain. C'est l'autre. Putain, grognasse, va. Putain, tu souffres? Vilaine. Putain, la phase relou qu'elle nous a fait, là. Non, l'attaque qui... Oh putain. Tu me fais chier. Tu comprends ça? Espèce de nourrice en mousse. Tiens! Qu'est-ce qu'elle fait, Anna? Au secours, les gens. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est là, tout va bien. Elle a rien fait de chelou. Portée qu'elle a, c'est n'importe quoi. Faut se calmer, hein. Stop. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain. Elle est où? Elle est là. Non. J'aurais dû esquiver qu'une fois et enchaîner, voilà, je me suis raté. Hop, voilà pour toi. Oh putain. Est-ce que je la crame avec le petit Onitrius? Est-ce que je le garde pour vraiment pour la fin? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, je peux la voir. Ou alors je garde le petit Onitrius pour la dernière phase si elle repart dans le brouillard. Non, elle est partie. Non, elle fait le brouillard? Oui, elle fait le brouillard. Oh la grognasse. Casse-toi.
Putain, non, pourquoi j'ai fait autant d'esquives? Achève-la, achève-la. Elle est morte. Pff, elle est morte. Oh là là. Bon, ça a été, hein. Pff, par rapport aux autres boss. C'est l'heure d'éventrer le bébé, c'est ça? Attends, 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 attends. Quoi, il est où le bébé? Il y avait un lando. What? Bébé? L'enfant triste. Cauchemar éliminé. Qu'est-ce qui se passe? Un tiers de cordon ombilical. Ah, ah mon dieu, je comprends ce qui se passe. Et une lampe. Ah, on va rentrer un instant. Je vais me poser 2 secondes.